La Cancillería de la República Dominicana y la Cancillería de Haití. La Chancellerie de la République Dominicaine et de la République d'Haïti. Se acordó sostener esta reunión aquí en Jimaní. Ils ont accordé donc de réaliser cette réunion à Jimaní. Para analizar la situación acontecida. Pour analyser la situation survenue. Y buscar mecanismos de solución. Et chercher des mécanismes de solution. De forma que la relación entre los dos países. De manière que la relation entre les deux pays. Continúe armónica. Continue de manière harmonieuse. Y los trabajos que hemos estado llevando a cabo. Que les travaux que nous sommes en train de réaliser. Puedan seguir desarrollándose. Puissent continuer à se développer. Por esa razón hemos tocado los siguientes temas. Pour cette raison, nous avons touché les thèmes suivants. Mantenimiento de un ambiente de paz entre ambos pueblos. Maintenir un clima de paix entre les deux peuples. Ese mantenimiento va a ser promocionado tanto por el gobierno haitiano como por el gobierno dominicano. Ceci va faire l'objet d'une promotion aussi bien du gouvernement dominicain que du gouvernement haïtien. Donc, moi, saluer. Tengo que saludar. Le ministre des Affaires étrangères, Monsieur Andrés Navarro. El ministro de Asuntos Exteriores. Qui a pris l'initiative de cette rencontre ce matin. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer lui au Guatemala. Et à la demande d'Haïti, on a eu une rencontre très fructueuse au Guatemala. Et à la suite de cette rencontre, il est proposé rapidement pour qu'on se voit ici à Jimaní. En République dominicaine. Y después de ese encuentro, yo le propuse que nos encontráramos de nuevo hoy en Jimaní. Li déjà, bon, nous y ont compte rendu des points qui ont été débattus. Ya él les dio un resumen de los puntos debatidos. Moi, capable souligner que c'était vraiment un débat ouvert entre les deux délégations. Puedo subrayar que fue un debate muy abierto entre los dos gobiernos. Et moi, j'étais personnellement et toute la délégation haïtienne. Y yo fui personalmente, incluyendo la delegación haitiana, frappé par la volonté de nos amis dominicains, me impactó la voluntad de nuestros amigos dominicanos, d'avancer avec sérieux et avanzar con seriedad, et un esprit ouvert, y un espíritu abierto, pour trouver des solutions sur les relations entre les deux peuples, para encontrar soluciones a los problemas entre los dos pueblos. Sur les questions de sécurité, en las cuestiones de seguridad, tout le monde connaît qu'il y avait des tensions. Todo el mundo sabe que hubo tensiones. Et ensemble, nous essayons vraiment d'établir des mécanismes, juntos, intentamos establecer mécanismes pour faciliter des relations rapides entre les dirigeants des deux îles. Para facilitar relaciones rápidas entre los dirigentes de ambas islas. Sur la question de la commission mixte, en el tema de la comisión mixta, nous sommes d'accord pour que d'ici le 27 mars, nos pusimos de acuerdo para que capable de gagner, comme de gagner un ensemble de rencontres qui étaient faites au préalable par la commission technique. Il est souhaitable que les responsables politiques rencontrent au plus vite pour approuver les décisions qui ont été prises par
la commission mixte haïtiano-dominicaine. Para aprobar las decisiones tomadas por la comisión mixta dominicana. Nous avons dit que la délégation haïtienne va repartir cet après-midi. Puedo decirle que la delegación haitiana se regresa hoy mismo. Extrêmement satisfait. Muy satisfecha. Par l'état d'esprit que nous trouvons auprès de nos partenaires dominicains.